classe, chérie. Tu es vraiment élégante. Merci, chérie. Tu es tout aussi sexy toi-même. Merci. Je suis content que ta robe te plaise. Elle est trop belle. Waouh. T'es sublime, maman. Merci. Quelle beauté, quelle grâce. Waouh. Merci. Hey, là, Kaina, je crois que maman vient de te voler la couronne. Mais tu sais, mon trésor, malgré le poids de l'âge, je suis aussi belle et sublime qu'une jeune fille de 18 ans. Absolument, maman, absolument. Alors, mon Valentin, on y va? Bien sûr. Ta mère vient à la soirée avec nous? Oui. Habillée dans la même robe que moi? C'est moi qui l'ai offert. Mais c'est la fête des amoureux, c'est pas la fête des mères. C'est aussi le jour anniversaire de mon mariage avec le père d'Eric. Et depuis son décès, Poupée est mon Valentin tous les 14 février et cela ne risque pas de changer. Effectivement. Et de plus, maman est mon premier véritable amour. Donc c'est normal que pour la fête des amoureux, elle soit aussi à mes côtés. À moins que tu veuilles que je la laisse toute seule à se morfondre dans sa dépression et à pleurer mon père toute la nuit. Ben non, bien sûr que non. Mais voilà, c'est réglé. On y va, mes amours? Mais où tu vas? Attends, Kaina! Eric, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis prête à accepter tout de ta relation bizarre avec ta mère. Mais là, non, ça passe pas. C'est trop pour moi. C'est pas possible. Attends. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Tu n'as jamais vu une mère laver son fils? Kaina, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis malade! Tu te fous de moi, là? C'est quoi ça? Hey, mais c'est un panari, là! Attention, hein! Faut pas tuer mon fils, hein! Oh. Écoute, tu dis quoi, ça? Eric, tu sais quoi? Ça va. Je te laisse avec elle. Reste avec elle! Poupée! Moi, j'en ai marre! Laisse tomber ça, viens, je vais aller te rincer! Oh!